je suis venu ici, je pensais que c'était des vacances, enfin, il y avait une sorte de vacances. Je pensais pas du tout qu'il fallait vraiment travailler, que c'était aussi professionnel. Mais en fait, au départ, j'aimais pas trop, et maintenant, je trouve que c'est vraiment important, et c'est ce qui donne au projet la beauté, parce que sans travail, on n'arrive à rien. C'est 10 jours vraiment exceptionnels. On a fait plein de rencontres. Enfin, moi, j'ai appris à connaître plein de gens. Ils étaient tous différents et moi, ça m'a fort touchée parce qu'il y a des moments où on a eu des partages, on a pu parler entre nous et moi, ça m'a vraiment fait du bien d'être avec tous ces jeunes. Bienvenue à la Tombosco Academy. Avec Tristan qui nous aide pour le théâtre, Laure qui nous a aidé pour le chant, et maintenant Justine qui nous aide pour la danse. Ok, ok. Et là, dans toute l'intro musicale, vous marchez. Ok, et là vous êtes hyper joyeux, énergie parce que vous êtes content d'être écouté. Je suis sûre qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais dansé devant d'autres personnes, autant que ce soit des amis ou un public, de leur vie. Et jouer du théâtre, je trouve ça super. Fresh, t'es nouvelle ? Ok, pas mal, mais rentre en chantant. Tu vois, tu chantes. Mais je peux pas lui dire. Tu peux chanter. Ah, une meuf. Oh, oui. Bienvenue. Top. J'ai pu découvrir le théâtre d'une autre façon, j'ai pu m'amuser plus que d'habitude, moins être collé à mon ordinateur, voilà. Le théâtre, les exercices, tout a aidé à former aussi le groupe et à nous aider à nous lâcher. La coach de chant, j'ai trouvé qu'elle était super professionnelle et elle m'a beaucoup aidée déjà, donc ça c'était super. Scapia. 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 Ok, ça veut rien dire. C'est pour réveiller la voix. D'accord ? Au début, je me disais, pour la Corée, c'est quand même un gros travail, c'est quelque chose de dur, et le fait que vous nous laissez faire ça, ça veut dire que vous avez confiance en nous aussi, et que c'est une confiance qui est réciproque, quoi. Ça m'a touchée, en tout cas, que le fait que tu me fasses confiance par rapport à la danse, que tu dises pas, ben non, tout de suite non, c'est plus oui, on va tester, après on verra. Give it a night before it ends up in a kid.
c'est bien que les coachs nous laissent l'occasion de nous exprimer et de créer des choses, parce que en soi, ça permet de libérer la créativité des jeunes. Et ils ont l'impression de donner leur touche, enfin que c'est un projet construit par tout le monde dans ce cas-là. À votre place, qu'on vous a attribué au début. Ok ? On teste ça maintenant ? Et moi, quand je chante ? Tu l'essuies avec un chiffon et tu viens m'estomper là tout le jaune, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne doit plus avoir ces traces de peinture partout là. Ok ? Et toujours dans le même sens, du haut en bas. Je suis sûre que tout le monde est fier de ce projet et de ce qu'il a apporté. I wanna take you somewhere, so you know I care. Je devais remercier quelqu'un, bah ça serait déjà ma tante qui m'a poussée à venir dans ce projet. À la base, moi j'avais envie, mais pas tant. Merci aux sœurs, merci aux frères, aux Salésiens et aux Salésiennes qui nous aident à vivre notre rêve. On s'est vite rapproché. En deux jours, j'ai l'impression en deux jours, on a pu vraiment parler avec d'autres personnes, rencontrer plein de gens. J'ai trouvé qu'on formait une famille, qu'on s'est rapproché petit à petit, et que aussi dès que quelqu'un avait un problème, et ben on essayait de tous y aller vers lui, et que ça nous touchait personnellement aussi le fait qu'il se sente pas bien. J'ai senti qu'il y avait l'amour et Valéza parce que bah tout le monde est là pour tout le monde, et c'est comme une famille en fait, une énorme famille, même si on n'a pas de lien de sang, mais voilà. Ça m'a fait du bien parce que parfois j'ai une timidité, et ici avec tout ce groupe j'ai pu me lâcher et être comme j'ai envie d'être et comme je suis. À mon avis, ça se passe comme ça ici, parce qu'au début, Tristan nous a demandé de donner notre confiance, que tous on s'implique et qu'on donne le meilleur de soi. Mais je m'en souviendrai parce que je pense que c'est ce projet qui va me permettre d'avancer beaucoup plus dans ce que je vais faire, de pouvoir me dire que je peux réussir. Grâce à la Don Bosco Academy, j'ai pris beaucoup de confiance par rapport à au rôle qu'on m'a laissé, à tout ce que je devais faire. Je pense que d'autres personnes auraient pu aussi bien le faire, mais on m'a donné ce rôle-là pour me faire confiance et essayer d'y arriver.